Valeur sur laquelle il faut qu'on revienne, c'est le facteur X. Chaque jour, on vous suit vous aussi sur les réseaux sociaux. On met en valeur un poste à haute valeur ajoutée sur le fil X ou le fil LinkedIn. Toutes les équipes BFM Bourse sont mobilisées pour essayer d'extraire le poste apportant le plus de contenu intéressant pour vous tous auditeurs. Et là, on a vu ce poste de joueur du grenier, c'est son pseudo. Et il nous parle de jeux vidéo et d'Ubisoft, joueur du grenier. Dès hier, d'ailleurs, vous nous l'annonciez, Julien, un possible report du prochain Assassin's Creed. Et bien, ça a été ensuite officialisé dans la soirée par Ubisoft. Et joueur du grenier, il dit quoi sur les réseaux? Il dit qu'on pourrait peut-être même imaginer qu'en cas de nouvel échec majeur sur un jeu d'Ubisoft, le groupe soit racheté. Une possible OPA, ce que personne, ajoute-t-il, ne peut leur souhaiter. Encore un échec sur un jeu et Ubisoft finirait par être racheté. Je vous pose la question parce que Ubisoft aujourd'hui perd encore 17%. Encore 17%. Joueur du grenier, qui est un youtubeur très spécialisé dans le rétro gaming, qui est très, très connu même. C'est-à-dire, c'est intéressant la question qu'il pose. Oui, vous voyez, il a plein de followers d'ailleurs. Tout à fait. Ouais, qu'il nous retweet, ce serait bien. C'est intéressant la question qu'il pose sur l'OPA hostile en cas de nouvel échec. Moi, j'ai envie de vous, je vais vous dire que je n'y crois pas. Et quand vous regardez, le marché n'y croit pas, sinon on ne serait pas à moins 19. Pourquoi? Là, il parle bien d'OPA hostile. Et il a employé le bon terme d'ailleurs, joueur du grenier. OPA hostile. Pourquoi ça n'a pas de chance? Parce qu'aujourd'hui, il y a un concert au sein du capital d'Ubisoft avec Tencent, qui peut aller jusqu'à 30% du capital, 29% évidemment. Pourquoi je ne crois pas une OPA hostile? C'est parce que Tencent, vous savez que c'est un mastodonte du jeu vidéo et c'est un allié de la famille Guillemot. À supposer qu'il y ait une OPA hostile, Tencent pourrait se libérer d'un accord de stencil. Actuellement, Tencent n'a pas le droit d'aller au-delà de 9% du capital. Mais si il y a une OPA hostile d'un autre concurrent, par exemple, Tencent peut faire sauter le levier et s'allier avec Guillemot pour contrer cette OPA hostile. Donc il y a une forteresse anti-OPA chez Ubisoft. Par contre, est-ce qu'un jour, la famille Guillemot va pas en avoir marre d'être cotée en bourse? Et à ce moment-là, elle pourra s'appuyer sur Tencent pour lancer une OPA et sortir le groupe de la côte? Je sais pas. On regardait le cours d'Ubisoft tout à l'heure ensemble, Antoine. Sur un an, on est à moins combien? 70%, moins 70%, c'est ça? Oui, quasiment. Oh, on imagine, oui, que la famille Guillemot en a marre tout le matin de prendre des grains, là, comme on dit dans l'Ouest. Si je peux me permettre d'intervenir dans la famille, Je ne suis pas très à l'aise avec ce que vous dites. C'est-à-dire que, attention, oui, il y a des sociétés que la bourse sous-valorise, qui se payent 4, 5, 6 fois les résultats. C'est n'importe quoi. Et des gens en ont marre et disent, je vais retirer ma société. Là, sur Ubisoft, on parle d'une société qui était un fleuron. Le cours était à 100 il n'y a pas si longtemps, ce qui fait quand même des prévisions en parlant d'être à l'équilibre en termes de rentabilité et de free cash flow. Donc, je veux dire, si vous faites zéro de résultat, votre problème, ce n'est pas la bourse qui est méchante. C'est pourquoi avant, vous aviez des très gros résultats, pourquoi vous n'en faites plus, pourquoi quand Tencent rentre, ils rentrent dans la holding pour acheter des titres, donc du coup, l'actionnaire n'en a même pas profité. Je veux dire, la vraie question aujourd'hui, c'est que quand vous avez une entreprise qui a vu ses résultats s'effondrer et qui n'en dégage plus, là, la bourse est méchante, elle ne me valorise pas bien, ça me semble une explication qui est quand même un poil excessif. Le sujet aujourd'hui, c'est comment cette société regagne de l'argent et beaucoup d'argent. Donc, je veux dire, la bourse est un thermomètre, quoi. Ça sert à rien d'essayer de le casser. Enfin, ce qu'on attend des dirigeants d'une société, c'est quand même qu'elle gagne de l'argent et que ses revenus augmentent et que ses résultats augmentent. Donc, si ce n'est pas le cas, et que ces jeux marchent, je pense que chercher des coupables ailleurs, c'est peut-être quand même un peu agressif. On ne cherche pas des coupables. Ça fait 3 ans que Ubisoft est en free cash flow. Oui, mais dire que la famille peut en avoir marre, ils ont. Mais la famille, elle peut en avoir marre simplement parce que ça lui fait une mauvaise presse. Il ne s'agit pas de dire que le marché est méchant. C'est parce qu'il y a des gens à mobiliser. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est leur boulot d'actionnaire de réussir après à ramener la société vers une trajectoire de rentabilité. C'est ça qui est attendu. Ce que je veux dire, c'est que ça ne fait pas partie des dossiers où le sujet est une sous-valorisation. C'est une inquiétude du marché qui, pour l'instant, au fil des années, a été vraie sur la trajectoire opérationnelle de la société. Le marché, il éclaire les parts d'ombre et les parts d'ombre aussi d'Ubisoft. Il se trouve que le prochain Assassin's Creed s'appelle Assassin's Creed Shadows, ça tombe bien, l'ombre, l'obscurité. Bon, il est reporté à février, c'est-à-dire qu'il n'y en aura pas à Noël. Ils vont scraper toutes les ventes de fin d'année. Exactement. Le dernier jeu, Star Wars, ça ne marche pas très bien, la direction. Mais ils le disent eux-mêmes. Fort des leçons que nous avons prises sur Star Wars, parce qu'apparemment, ils ont des très mauvaises critiques, bref. Non, il y a quelque chose qui est cassé chez Microsoft, visible. Chez Ubisoft. Ouais. Pas encore chez Microsoft. Non, chez Ubisoft. Non, il y a une. C'est vrai que Ubisoft, pendant des années, c'était une machine à fabriquer des jeux qui marchent, que les gamers aimaient et tout. Non, il y a quelque chose qui est cassé. Et alors, il paraît que les communautés de gaming reprochent à Microsoft, parce que ça marche beaucoup par communauté, d'être un peu trop woke dans l'univers des éditeurs de jeux vidéo. C'est l'un des plus. Ouais, c'est une des critiques émises. Non, mais du coup, c'est moi qui me suis bourré. J'ai dit Microsoft. Ah non, mais Antoine, c'est contagieux. C'est horrible cette affaire. Woke ou pas woke? Alors, il y a une polémique sur le fait qu'ils ont un samouraï noir et qu'une palmique me paraît totalement injustifiée parce que
là je prends historiquement il y en a eu un voilà. Il y a eu en tout cas un bretteur noir à l'époque de Numéga, on ne sait pas s'il avait exactement un titre de samouraï, bref c'est bon voilà. Un peu... moi si je peux me permettre, j'ai été pro gamer dans mes jeunes années, ouais. Donc c'est un sujet que je connais bien. Vous voulez un bon jeu qui est infâme, une femme, un enfant, une fille, je veux dire, c'est jamais réaliste, tout le monde s'en fout. Si vous jouez bien et que vous vous amusez, ça marche bien. Si vous lâchez la manette parce que vous vous emmerdez au bout d'un moment, c'est pas bien. Je pense que le sujet aujourd'hui c'est un, la qualité, et puis deux, de nouveaux concepts, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a fait 7 fois le même, 10 fois le même jeu, on a quand même toujours un peu plus de mal à trouver de nouvelles choses, donc faut leur souhaiter de retrouver le chemin de la créativité. Vous aurez compris que Thibaut est un actionnaire déçu d'Ubisoft, voilà. Vous en voulez du grenier, c'est d'autant plus. Je viens de voir sa photo, ça y est, je vois enfin qui c'est. Le vieux grenier, voilà. Ben voilà, on a mis en avant votre poste, le vieux grenier, donc sur Ubisoft, -15% encore aujourd'hui. Merci à toute la famille.